Bonjour et bienvenue dans cette AB Lab consacrée à la gouvernance du territoire où j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Smet, secrétaire d'État à l'aménagement du territoire à la région de Bruxelles-Capitale. Bonjour Pascal. Bonjour. Ainsi que David Roulin, CEO de Art & Build. Bonjour. Et Marion Weller, vous êtes urbaniste ainsi que philosophe en environnement et conseillère à la mairie de Paris et vous êtes en direct avec nous depuis Paris. Bonjour Marion. Bonjour. Ma première question, David, sera pour toi, parce que Art & Build est à l'initiative de ce AB Lab en collaboration avec EcoBuild, un AB Lab consacré à l'économie circulaire et à la biodiversité. Et vous souhaitiez mettre la gouvernance du territoire à l'ordre du jour de ce projet. Pourquoi la gouvernance du territoire est vraiment indissociable de la question du développement durable ? Je pense en effet que la gouvernance est importante parce que l'autorité publique doit montrer l'exemple. Le problème de Bruxelles, peut-être dans le passé, est qu'il y avait un manque de gouvernance dans cette ville, gouvernance urbanistique, gouvernance et réaménagement des territoires, qui avait trop de pouvoir donné aux promoteurs, trop de pouvoir à la recherche du gain, sans considérer que chaque fois qu'on construit quelque chose dans une ville, on est en train de construire l'image de cette ville, la gueule de cette ville. Quand Evelyne Uyttebroeck a décidé à Bruxelles de passer les bâtiments en bâtiments passifs, elle a dit en 2013, il faut qu'en 2015, les bâtiments soient construits en mode passif. Elle a initié une dynamique et le marché s'est mis au diapason de cette dynamique. Il n'a pas eu le choix. Et en France, on a la même chose. On a vécu la même chose ces dernières années avec la construction bois, la construction bas carbone, où l'autorité publique a quelque part imposé un nouveau standard et tout le marché s'est mis au diapason de ce nouveau standard. On a fait des grandes erreurs. Quand on regarde le quartier Léopold, par exemple, quand pour instaurer le quartier européen, ou regarde le quartier du Nord, hein, et maintenant, depuis quelques années, je pense qu'on peut dire que Bruxelles a quand même un changement d'attitude. Et comme nous sommes occupés en tant qu'architectes autant à Paris qu'à Bruxelles, on a l'occasion de comparer des pratiques de gouvernance qui sont différentes, qui ont des nuances. Et c'est assez passionnant à voir, de passer de l'un à l'autre et de voir comment les pouvoirs publics interagissent avec le privé sur l'aménagement du territoire. Marion, à Paris, quelle est votre vision pour la ville, en fait, en tant que conseillère à la mairie de Paris? On a cette puissance qui nous permet de demander beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de valeurs immobilières dans la ville. Et donc, je pense qu'on doit s'emparer de cette responsabilité et toujours augmenter les niveaux d'exigence. Et effectivement, à la fois sur notre propre patrimoine, ce qui est le plus simple d'une certaine manière, même si on a bien sûr des sujets financiers qui font que c'est difficile aussi d'être toujours au top de tous les objectifs. Mais le vrai sujet actuellement, c'est comment on instaure le bon niveau de dialogue avec le secteur privé, à la fois via nos règles, via de l'incitatif. Là, on engage, nous, une révision de notre plan local d'urbanisme. Et en fait, il y a plein de choses qu'on a testées ces dernières années via des appels à projets, via notamment une initiative qui s'appelait Réinventer Paris, où on a demandé en fait au secteur privé d'aller beaucoup plus loin, par exemple sur le mode constructif, donc effectivement la construction bois ou la construction pierre, sur les usages, le fait qu'on demandait beaucoup plus d'occupation temporaire, on demandait une mixité d'usage très importante et l'idée que chaque bâtiment doit vraiment apporter des nouveaux services au quartier, qu'on ne peut pas se satisfaire dans une ville comme Paris d'un bâtiment qui amènerait juste des mètres carrés de bureaux ou juste des mètres carrés de logement. On a besoin que chaque bâtiment crée des communs pour le quartier et qu'il améliore l'environnement en termes de végétalisation, qu'il améliore l'écosystème. Et donc, ces choses-là, on les a demandées dans des opérations un peu exceptionnelles. Et maintenant, ce qu'on veut, en fait, c'est le systématiser, le demander dans toutes les opérations, qu'elles soient petites ou grandes. Et en fait, faire en sorte que quand on construit à Paris ou qu'on rénove, il y ait des règles très claires qui sont notamment le fait qu'on privilégie les matériaux biosourcés sur le béton, le fait que la rénovation est la priorité absolue
par rapport à la démolition. Le fait que on favorise le réemploi, voilà, tous ces sujets-là, on veut que ça fasse partie de la règle. Cette ville, elle est en mouvement constant. Oui. Chez Artenbild, vous avez des visions avec des recherches, notamment, vous avez un département de recherche très poussé à Paris, dans laquelle vous parlez beaucoup de biomimétisme. Est-ce que cette ville, on pourrait la comparer à un organisme vivant ? Oui, on fait souvent cette comparaison ou cette analogie au vivant, parce que la ville est animée de cellules qui interagissent entre elles, hein, qui vivent, qui naissent, qui sont parfois malades, qui opèrent des mutations. On peut parler des citoyens, mais on peut parler des bâtiments de la même façon. On peut parler des flux, on parle de poumons économiques d'une ville. Tout ça, c'est des images qui font référence au vivant. Et c'est vrai que le monde du vivant est une inspiration pour nous par rapport à un idéal de développement, parce que la nature, le vivant, a la capacité de résilience et de s'adapter à un contexte et à une fonctionnalité, comme doit le faire l'architecture, en fait. Et pour moi, une ville est un organisme vivant, mais aussi entre les bâtiments, entre l'espace public, entre les gens, et la connexion entre les trois doit être vraiment bien articulée. Et ça, ce n'était pas le cas ici dans le passé. Et maintenant, toute la question est, je pense, d'entrer dans une nouvelle phase, c'est que le pouvoir public doit dire ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, mais faire ça aussi en partenariat avec le secteur privé, puisque le pouvoir public réalise elle-même, évidemment, des bâtiments, des espaces publics, il doit être exemplaire, mais en même temps, il y a beaucoup d'investissements privés où il y a, dès le début, dès la conception d'un projet, doit être un partenariat entre le public et le privé. On a quand même un intérêt en commun, c'est améliorer la vie, la qualité de vie dans notre ville. Et c'est ça le point de départ qu'on veut faire maintenant. Et ça demande aussi que le pouvoir public parle avec une voix vis-à-vis des privés, mais aussi que le pouvoir public est très clair sur ses intentions. Et là, on a encore un chemin à faire à Bruxelles, je pense. Marion, il y a des limites dans l'action que peut donner une autorité politique, ou bien vous pouvez tout demander. Quelles sont les responsabilités que vous avez par rapport à ça? Alors, on est parfois limité par le cadre national, par les lois, par le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, qui font qu'on ne peut pas demander tout et n'importe quoi dans notre plan local d'urbanisme. Et donc aujourd'hui, on travaille sur plusieurs questions qui en fait sont compliquées d'un point de vue légal. Par exemple, il y a l'éternelle question des qu'est-ce qu'on fait des logements vides, des résidences secondaires vides, qui par exemple dans le droit français, c'est pas du tout évident d'imposer certains matériaux par rapport à d'autres. Après, je pense que notre rôle aussi en tant que collectivité, c'est vraiment de trouver le bon dosage entre ce qui doit relever de la règle et ce qui doit relever de l'incitatif. Pascal, à Bruxelles, il y a des outils qui ont été mis en place, je pense, notamment parce que j'entendais Marion qui parlait d'inciter le réemploi, etc. Et il y a un outil qui a été mis en place par Bruxelles Environnement, notamment, qui est le Be Sustainable, qui est une sorte de guideline, de bible qui doit être utilisée et incitée comme ça pour les projets publics, mais également privés. On peut parler également de Be Exemplary, qui est mené par Urban. Là aussi, il y a des incitations, des obligations. Comment est-ce que vous travaillez ici à Bruxelles dans cette incitation à aller plus loin dans les projets ? Maintenant, on veut la manière qu'on aborde les projets changer complètement. C'est-à-dire que dans le passé, le pouvoir public était trop réactif. C'est-à-dire, on venait avec un projet et on va donner des commentaires et dire, ah, il faut adapter, on est d'accord avec ça, pas d'accord. Non, on doit le faire différemment. Moi, je pense que c'est pas encore comme ça aujourd'hui, mais on commence à travailler dans ce sens-là, que dès le moment un promoteur, un privé veut venir avec un projet, pour lui c'est mieux de savoir ce qu'il peut faire et pas faire, et que avant de rédiger son projet, qu'il vienne pour proposer un concept de projet.
Et dans ce concept de projet, c'est évidemment le programme, le mètre carré, le truc classique, peut-être aussi sur le matériau. Si c'est le cas de démolition, rénovation, déjà, on demande maintenant que le promoteur montre explicitement pourquoi une démolition est nécessaire et pourquoi une reconstruction, une rénovation lourde n'est pas possible. Hein. Il doit montrer ça déjà. Mais ça, c'est toutes les questions qu'on doit débattre. Moi, je voudrais bien, au moment qu'on a défini privé, public, ce programme, qu'on va vers la population à ce moment-là pour récolter leur opinion. Et à ce moment-là, définir le cadre. Et ensuite, les architectes peuvent commencer. Et ça aussi doit être avec des réunions de projets qu'on a systématisées et généralisées maintenant, que chaque projet, avec le maître architecte, mais aussi avec le fonctionnaire de Urban, puisque le maître architecte donne un avis, améliore un projet, mais finalement, ce sont des autres fonctionnaires qui délivrent le permis, qu'eux sont dans le bain dès le début aussi, d'améliorer et d'une certaine manière co-construire un projet public, privé. Et je pense que cette méthode va être beaucoup plus efficace. Et quand on regarde maintenant, j'ai encore visité hier un bâtiment où il y a beaucoup de réemploi, pas seulement du bâtiment même, mais même des autres bâtiments qu'on réutilise. Le secteur privé est prêt pour ça. Hein. Je crois avec les incitations, avec le dialogue, le débat, on peut aller déjà beaucoup loin et que imposer est, à mon avis, pas nécessairement le bon un chemin. Cette concertation citoyenne dont tu parlais, elle doit arriver quand, Marion ? Elle doit arriver vraiment au tout début du projet ? Elle doit suivre le projet tout le temps ? Est-ce que ce qui est mis en place aujourd'hui à Paris est suffisant ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Effectivement, là, par exemple, pour notre prévision du plan local d'urbanisme, il y a une concertation qui s'engage très en amont pour demander aux gens, en fait, comment ils imaginent Paris dans 10 ans. Quels services ils veulent trouver dans leur quartier, comment ils se projettent en fait dans ce paysage, dans ce patrimoine aussi qui est Paris. Donc il y a ce moment très prospectif qui est important de partager avec les citoyens. Et puis après, pour chaque projet, toujours éviter de faire de la concertation qu'à la fin, quoi. C'est vraiment le sujet. Comment embarquer les gens dès le début pour que, effectivement, dans le dialogue avec les promoteurs, ils puissent donner des bonnes idées, puisque je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vraiment gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on peut vraiment améliorer le projet dans l'intérêt du promoteur dès lors qu'il y a un dialogue constructif qui s'engage avec l'environnement. On a pas mal d'exemples où on a mis en relation des promoteurs avec des associations locales et ça rend le projet vraiment plus qualitatif parce que plus ancré dans le quartier. On a un budget participatif qui est très important aussi à Paris, où chaque année on demande aux Parisiens de se prononcer sur une grosse partie de notre budget d'investissement. Et on souhaite aller plus loin, aller vraiment dans la co-construction de certains espaces. David, vous, chez Art & Beat, là, cette consultation citoyenne, elle enrichit les projets que vous développez ou bien vous dites « Merde, encore des emmerdeurs qui viennent s'intégrer dans mon projet ?» Comme tu le sais, je suis un adepte de la notion d'intelligence collective, c'est-à-dire un projet immobilier, quel qu'il soit, c'est un nombre énorme de gens qui vont intervenir, hein, entre les concepteurs, les donneurs d'ordre, les autorités qui délivrent les permis, les entreprises qui vont construire, etc. C'est beaucoup, beaucoup de gens qui interagissent et qui nourrissent le projet de leur intelligence. Et le projet, il va être le fruit de cette intelligence collective. Et donc, la notion de concertation citoyenne, c'est un élément en plus de cette intelligence. Ce qu'il faut, c'est l'encadrer. Hein, quand aujourd'hui, à Bruxelles, et Pascal le sait, une concertation publique vient après que le projet ait été dessiné, ça n'a pas de valeur ajoutée, parce que ce n'est jamais que des gens qui vont se plaindre d'un projet qu'ils ne veulent pas et qui va quand même se faire. Hein, donc c'est le monde à l'envers. À partir du moment où la concertation se fait très en amont, c'est beaucoup plus intelligent, mais il faut savoir l'organiser. On a eu l'exemple, d'ailleurs, nous, d'une école qu'on devait co-construire avec l'autorité de l'école, hein, avec tous les professeurs, où on a ça aussi dans le secteur hospitalier. On a une concertation avec tous les médecins, etc. C'est extrêmement compliqué de se concerter avec plein de gens qui ont des intérêts et des visions très, très différentes. Et dans le public, dans la ville, les gens, ils ne veulent pas avoir dans leur jardin, hein, quelque chose qu'ils n'ont pas aujourd'hui. La concertation citoyenne, c'est très, très bien, mais il faut les outils de gestion et les outils d'organisation de la conversation, organiser la conversation entre tous les acteurs. Et ça, c'est le politique qui doit organiser ces outils
C'est-à-dire, oui, l'autorité publique, elle a la légitimité pour organiser ça. Si moi, comme architecte, j'organise ça, je n'ai pas cette légitimité. La légitimité, elle est au niveau des pouvoirs publics. Je vais changer un peu de sujet, parce que nous sommes dans une période un peu compliquée avec la pandémie de la Covid, qui a bouleversé certaines habitudes, beaucoup plus de télétravail, mobilité différente, logement, on a envie de plus grands logements, de logements avec des terrasses, d'accès à de la verdure, etc. Est-ce que vous pensez vraiment, Marion, Pascal, je ne sais pas qui va répondre d'abord, que cette crise va changer quelque chose dans l'aménagement du territoire? Moi, je pense que la crise est un accélérateur des phénomènes qui étaient déjà en cours, parfois dans certaines villes plus visibles, dans les autres moins visibles, mais ça consacre quand même une nouvelle philosophie qui était là. En termes d'espace public, c'est clair, moins de voitures, plus de place pour les piétons, plus de place pour les cyclistes. C'est une tendance dans plein de villes. Maintenant, c'est acquis. Deuxièmement, on voit aussi le besoin pour le bâtiment d'une bonne intégration dans l'espace public. Ça montre aussi. Dans des quartiers mixtes, bâtiments mixtes, je crois que ça, tout le concept enfin, qui vient de Paris, de ville à 15 minutes ou 10 minutes où finalement tu veux que dans un quartier les fonctions sont présentes, que les gens ne doivent pas se déplacer trop, ça c'est déjà en cours aussi, mais ça s'est accéléré. Pour les bâtiments proprement dit, je pense, c'est clair, que tout ce qui est avoir espace en commun pour les gens, en plein air, des terrasses dans les appartements, que ça devient essentiel dans la qualité de vie, de construction. Si moi, j'étais promoteur, je ne construis plus jamais maintenant un bâtiment sans terrasse, sans toit en commun. D'ailleurs, on va les obliger de le faire. Hein. Maintenant, systématiquement, quand on vient avec des projets, on dit le toit doit être un toit, au moins un toit vert, pour les habitants qui habitent dans le bâtiment, comme ça, ils ont d'espace tout le temps, quand ils sont confinés. Il peut sortir, il peut voir la perspective, il peut voir l'espoir. Et alors, la crise change ça. Pour les bureaux, c'est plus compliqué. Moi, je suis encore prudent. Hein. Je pense que déjà, la tendance était un peu vers le télétravail. Je pense que ça va se installer beaucoup plus que dans le passé, mais n'oublie pas qu'il y a plein de gens qui ont déjà marre du télétravail, puisque tout dépend de tes conditions d'habitat. Il ne faut jamais oublier qu'un être humain est quelqu'un qui a besoin de contacts sociaux. Et pour être créatif, il faut une interaction humaine physique. Alors, pour les bureaux, je pense que ça va se traduire vers un besoin de moins de mètres carrés, c'est clair. Mais en même temps, attention, peut-être ils vont à la fin avoir le même mètre carré, puisque il faut plus de distance entre les gens. Il faut des endroits de rencontre entre les gens. Je ne suis pas encore tellement dire que ça va avoir un impact majeur que certains disent. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'en tant que, enfin nous, Paris, Bruxelles, mais on a vu un peu avec la crise, la revanche de la campagne. Hein. Les anti-urbains sont de retour. Hein. Ils ont utilisé cette crise pour dire les villes, c'est les endroits de merde, hein. Les endroits de maladie, les endroits, tous les trucs. Je ne sais pas, tu as vu dans plein les villes, tu as cette tendance qui a essayé de profiter. Là aussi, ils se ratent d'objectif. Alors bref, la crise est un catalyseur pour des phénomènes qui étaient déjà en cours, qui confirment, qui accélèrent. Ça va changer, mais pas nécessairement comme ce n'est pas encore stable et on ne doit pas « jump to conclusions hein, », comme on dit en anglais. Marion, lors de l'élection pour la mairie de Paris, un des candidats avait proposé de faire un gigantesque parc à côté de la gare de l'Est ou du Nord, je ne sais plus. Ça passe par ça, l'avenir de la ville, par des grands coups, ou bien c'est des petites touches que l'on met un peu partout qui vont faire que la ville se modifie et s'améliore? Oui, je crois qu'on entre plutôt dans une ère qui est celle du maillage très fin de l'urbanisme et pas tant des grands projets. Parce que on doit être tellement agile, et on le voit en ces temps de crise sanitaire, on doit pouvoir adapter à la fois l'espace public et privé en tellement peu de temps que c'est ça l'enjeu, quoi. C'est pas tant les grands projets, c'est vraiment comment dans chaque quartier on va créer des lieux de rencontres, comment on va créer des lieux de fraîcheur quand il y a des canicules. Et donc ça, c'est pas un grand projet quelque part, c'est vraiment à l'échelle de cette ville de 15 minutes. Comment dans chaque quartier on crée de la résilience et puis je pense qu'il y a certaines choses qu'on a vues, qu'on savait déjà mais qui ont été mises
en lumière de manière encore plus évidente pendant la crise, et notamment tous ces immeubles de bureaux vides, ce qui est juste inacceptable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter d'avoir autant de mètres carrés vides dans une grande ville comme Paris. Et donc ça nous montre vraiment le manque de réversibilité dans certains espaces. Et ça nous incite à changer les choses très rapidement. Alors qu'à l'inverse, certains espaces comme les tiers-lieux, par exemple, en 2 jours, ils ont su accueillir des usages pendant la crise sanitaire, ou des hôtels qui ont pu devenir des lieux d'hébergement. Comment faire de chaque cour d'école une oasis, un lieu à la fois de fraîcheur, mais aussi un lieu où on peut aller le week-end. Et puis après, il y a eu bien sûr toute cette redécouverte des espaces qui étaient sous-utilisés, comme par exemple les cours d'immeubles à Paris, où les gens se sont plus retrouvés. Et ça, je pense qu'on doit rebondir sur cette intelligence qu'il y a eu pour inciter justement les gens à végétaliser leurs cours d'immeubles, les investir beaucoup plus. Et là, la collectivité peut être aux côtés des particuliers pour en fait les aider à aménager ces petits espaces du quotidien. Et Paris a les moyens de ses ambitions écologiques ? Écoutez, oui, c'est notre priorité absolue, donc c'est là qu'on va mettre beaucoup de moyens. Et puis après, je pense qu'on doit inventer des méthodes plus sobres. Cet aménagement par petites touches, c'est pas très vendeur au MIPIM, ça ne se voit pas très bien. Je pense qu'on préfère montrer des beaux grands projets, non ? Mais les grands projets peuvent avoir une place encore. Tout dépend de la qualité d'un grand projet et le territoire que tu parles, ça c'est clair. Et deuxièmement, les petits aménagements, c'est finalement tactical urbanism. Hein. Ce n'est pas nouveau non plus. Il y a déjà, je crois, le premier livre, il y a 10 ans, hein, qu'ils ont déjà parlé ou l'acupuncture urbaine, se souvenir. Mmh. Il y a 15 ans, moi, j'ai parlé à Bruxelles sur acupuncture urbaine, qu'on avait besoin de ça, des interventions. C'est comme avec l'acupuncture, tu touches et ça a un impact sur tout ton truc. Finalement, c'est ça. Et oui, on doit le faire, il faut des zones de vert. Heureusement, à Bruxelles, on est déjà plus loin, hein, avec nos îlots de l'intérieur, qu'on dit que ça doit rester vert, qu'on veut faire de plus en plus aussi commun. Chaque fois qu'il y a une démolition, il faut plus de perméabilité, plus d'espace. Comme ça, on peut gagner beaucoup. Et je ne voudrais pas faire un truc seulement que des petits projets, plus de grands projets. Non, c'est les deux qu'on a, c'est clair, avec un accent sur les petits. Et quand c'est le grand, c'est vrai, pas des grands projets pharaoïques comme ça, bling bling, ça pas. Ça doit être bien intégré dans l'espace public, bien verturalisé, plein sur taille humaine, hein, city for people, hein, c'est ça qu'on a besoin, remettre l'être humain central dans la vie. Et ça, je pense... Ça, c'est en train d'être partout dans toutes les villes européennes. David, la crise sanitaire, ça vous a obligé à réfléchir différemment des projets que vous avez envie de développer, de vous dire que, comme l'a dit Pascal, de mettre plus de terrasses, d'espace pour les logements ou de réfléchir des projets différemment ? Nous, on travaille autant pour le public que pour le privé et on voit bien que dans le privé, il y a une espèce de résistance au changement. S'il n'y a pas l'autorité publique pour leur dire qu'il faut faire autrement, ils vont avoir du mal à changer leur comportement. La construction de bois ici à Bruxelles, ça fait quelques années qu'on pousse pour que ça se passe. Maintenant, ça commence. Mais il y a des promoteurs, il y a encore 5 ans, qui disaient « jamais je construirai en bois, hein, jamais ». Parce que les consciences n'étaient pas prêtes pour ce changement de paradigme qui est pourtant nécessaire pour la planète. Dans nos projets, je donne un exemple assez stupide, mais on a fait beaucoup de projets de bureaux. Et dans nos projets de bureaux, on a toujours dit il n'y a pas que l'espace de travail qui compte, mais il y a aussi tous les espaces interstitiels, les espaces de rencontre, les espaces informels. Je fais souvent le parallèle avec, tu sais, dans un enfant, quand il est en apprentissage, il y a aussi beaucoup de moments où il doit s'ennuyer dans une journée. Parce que le moment où il s'ennuie, où il ne fait rien, c'est le moment où il structure sa pensée, etc. Et moi, je plaide pour que dans les immeubles de bureaux, et surtout à l'adresse des promoteurs, dans leur tableau Excel avec les mètres carrés qu'ils prévoient, on devrait leur imposer, comme on impose, tu sais, le pourcent culturel dans les immeubles, on devrait leur imposer le pourcent de mètres carrés inutiles. Des mètres carrés inutiles, parce qu'ils sont en fait utiles, mais dans leur tableau Excel, ce n'est pas pris en compte. Et nous, on a fait souvent des espaces de convivialité, des espaces où les gens se rencontrent. Et quand il y a une interaction entre les individus, mais il y a plus de créativité et plus de richesse et de valeur ajoutée. Est-ce que c'est facile d'emmener un privé qui va
dans son tableau Excel, plus regarder ce qui est pécunier et des engagements sociétaux. Oui, puisque finalement, l'autorité publique délivre le permis. Ou pas. En tant qu'autorité publique, tu as un moyen. Et moi, je vais donner un exemple. Je suis quand même parfois étonné, puisqu'au début, quand je suis venu en tant que responsable de l'urbanisme, moi, j'ai dit, je veux qu'à Bruxelles, tu as entendu l'interview, j'ai dit que je veux que les toits soient communs, que ce soit des rooftops, mais pas tout du bar, des restaurants, que c'est aussi des endroits où les gens peuvent se rencontrer, à la limite jouer au basket, ou des espaces verts. Maintenant, presque tous les projets qui arrivent ont des toits en commun. J'ai donné un interview, on n'a même pas imposé une règle, et on voit immédiatement qu'on joue sur ça. Parfois, on peut dire, oui, c'est gimmick, il place quelques trucs comme ça pour séduire le truc. Il faut faire en sorte, évidemment, que dans le design du projet, que c'est vraiment, vraiment inclus. En tant que pouvoir public, tu as beaucoup de leviers, puisque finalement, c'est toi qui délivres ou ne délivres pas le permis. Et là, je pense qu'on doit utiliser ça d'une façon constructive. J'ai interviewé un architecte parisien qui s'appelle Nicolas Michelin il y a peu, du bureau ANMA, et il me disait qu'il fallait investir beaucoup plus, il fallait arrêter de construire dans les métropoles, les mégapoles, et investir beaucoup plus, parce qu'il trouvait qu'elles étaient bien assez grandes et qu'il fallait maintenant développer dans des villes moyennes. Là, il y a encore de la possibilité de construire et de développer pour justement donner un cadre de vie plus intéressant. Tu es d'accord avec ça également? Paris est assez grand. C'est plus complexe que ça. Je n'opposerais pas... L'un et l'autre, ce qui me semble essentiel aujourd'hui comme grand défi urbain à l'échelle de la France, c'est vraiment la lutte contre l'étalement urbain. Et donc, il faut se poser la question de où est-ce que c'est efficace de construire, où est-ce qu'il faut arrêter de construire. Et ce qui est certain, c'est qu'en termes écologiques, il est toujours mieux de construire là où il y a un minimum de densité. Donc, moi, je fais attention sur ces sujets-là parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de Not in My Backyard de NIMBY où on nous explique qu'il faudrait plus du tout construire en ville parce que la ville est déjà trop remplie. Sauf que, d'accord, si on ne construit pas en ville, où est-ce qu'on construit? Et ben, en réalité, on construit du pavillonnaire, de l'étalement urbain où les gens sont forcés de prendre leur voiture. Et donc ça n'est pas la solution. Et donc, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur ces sujets-là, sur les villes moyennes. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup des centres-villes de ces villes-là qui se vident et justement des constructions en périphérie. Donc avant de construire dans ces endroits-là, il faut déjà rediriger et rénover les centres-villes pour qu'ils soient attractifs et que les gens aient envie de s'installer là plutôt qu'en périphérie. Je vous remercie à tous les trois pour ces échanges sur la gouvernance du territoire. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter de plus? De mots de la fin pour l'avenir, David, pour que Paris, Bruxelles ou d'autres villes se transforment de manière beaucoup plus agréable pour chacun d'entre nous ou chacune d'entre nous. Si je devais émettre un souhait, c'est que la ville convienne à tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'exclusion, c'est que tous s'y retrouvent. Bah que les villes deviennent encore plus résilientes dans les mois à venir, parce que ça ne va pas être évident. Et donc, je pense qu'on verra aussi vraiment sur le terrain, de manière très évidente, ce qui peut être amélioré et comment faire en sorte que les gens se sentent bien ou pas. Est-ce que les gens se sentent bien ou pas à l'échelle de chaque quartier? Et vraiment partir de ce retour d'expérience-là, post-crise, pour faire des interventions qui sont pertinentes, que ce soit des petits projets ou des grands projets. Pascal, je vais te laisser le mot de la fin. J'espère qu'on a les moyens financiers assez importants pour réaliser les rêves, puisque ça a un coût. Et dans la crise sanitaire, qui va quand même devenir une crise économique aussi, qui renforce les inégalités sociales dans le milieu urbain aussi, seulement déjà en frappant les groupes dans la population. Je crois qu'il y a quand même des grands défis. Mais je suis convaincu aussi que
comme David a dit, hein, la ville doit être l'endroit pour tout le monde. Et le seul endroit que c'est possible, c'est la ville. Et la résilience des villes est énorme. C'était toujours dans l'histoire humaine. C'est comme ça que je suis convaincu que la revanche de campagne va se rater complètement et que les villes vont finalement ressurgir comme des endroits de plaisir, mais aussi de humain. De rencontres. Je pense que la crise a montré aussi qu'on a besoin de rencontres physiques, humaines. Et là, on fait ça, pas à la campagne, pas dans une forêt, parfois, de temps en temps, mais surtout en milieu urbain. Je suis pour les forêts, hein, mais dans le milieu urbain. C'est ça que, oui, mon souhait, mais qu'on a surtout les moyens financiers pour réaliser ça, puisque ça peut être un peu quand même rude, je pense. Je vous remercie à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve prochainement pour un prochain AB Lab. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci. Merci.